n'était que... Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Citlan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, MakingStarWarsFrance.net et Génération Star Wars et Science-Fiction. A long time ago, in a galaxy far, far away, there has been an awakening. Have you felt it? A communications disruption can mean only one thing. That thing's operational. Hello, hello, and welcome to Star Wars on Direct. Yes, the voice of Star Wars fandom. The show informs us and entertains us, and it binds the fans together. If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. What a strong one. Hello, what have we here? Nice of you guys to drop by. We would be honored if you would join us. May the Force be with us. Eh bien, bienvenue dans Star Wars en direct, collector numéro 11 maintenant. Je suis en compagnie de Raphaël Gonneau. Et moi, vous m'avez reconnu, voilà, je suis Sébastien Galano. Et on va vous accompagner durant cette émission avec un petit thème choisi par Raphaël. Oui. Qui est la montée en puissance, puis la descente aux enfers des ventes de produits dérivés Star Wars. Oui, exactement. Alors, pour rappel, nos anciennes émissions Star Wars en direct... sont la Star Wars en direct Gamers numéro 11, où on parle de l'éventuelle perte de la licence Star Wars par EA. Ouais, ce qui serait, c'est très bien. Parce que EA, c'est pas bien, ouais, ce qu'ils font. Y a aussi Littérature 21, où on parle de l'univers Legend en comparant à l'univers canon. Et il y a aussi Star Wars en direct 145, où on traite de la nouvelle série de films qui sera produite par les producteurs de Game of Thrones. Ouais. Je vais en profiter pour remercier nos partenaires, à savoir Citclan.net, Mightinbox.net, Planet Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Holonet, Making Star Wars France, ainsi que Génération Star Wars et Science Fiction. On va se faire un petit WhatsApp. C'était quoi ton petit WhatsApp Star Wars, Raphaël? Alors moi, en fait, j'ai fait beaucoup, surtout acheter des R2-D2 faits par des designers étrangers, voilà. Parce que ça se fait de plus en plus que des personnes détournent les jouets. Donc là, j'ai un peu investi, parce que c'est un petit coût qui est quand même... c'est raisonnable, quoi, je veux dire. Mais c'est des blisters à 40-50 euros en moyenne, qui n'ont aucune valeur marchande après. Mais je voulais juste faire plaisir sur l'aspect esthétique des choses, que je trouve que ça me... c'est mon côté un peu urbain. Parce que ça me rappelait un peu ma jeunesse de petits jeunes des rues qui n'avaient rien à faire le soir, à part faire des bêtises. Voilà, donc c'est... C'est plutôt originalité qui me fait que je vais un peu plus vers ces jouets-là. Et ça revient auprès au thème de l'émission d'aujourd'hui sur la saturation des jouets aussi. Voilà. Eh bien, moi, de mon côté, j'ai pas acheté grand-chose parce que faut que je fasse des économies pour plein de choses dans la vie qui n'ont pas forcément des rapports avec Star Wars. Et si, je me suis acheté deux figurines bootleg. Donc, c'est des Black Series. Donc, en fait, c'est des les bootlegs. En fait, c'est des contrefaçons. Je sais, c'est pas bien. Mais en fait, il s'agit de Dark Maul et Boba Fett. J'en ai déjà un vrai de Boba Fett, mais j'en voulais un deuxième. Et en fait, c'est que ces personnages-là, si on veut acheter les vrais, aujourd'hui, avec les spéculateurs, elles sont pas en dessous de 80-100 euros. Alors que le bootleg qui leur ressemble vraiment, elles sont à 12 euros. Donc, sachant que j'ai déjà un vrai Boba Fett, je me dis, bon, le deuxième, c'est pas grave si c'est un bootleg. Et Dark Maul, je ne l'ai pas. Et du coup, si j'en voulais un, c'était soit un vrai à 80... Donc du coup, la version à 12 euros, elle est pas mal. Et aussi, j'étais en vacances avec ma chérie aux Canaries. Et on tombe sur un centre commercial sur lequel... Alors, autant en France, hein, on trouve rien. Et là, j'avais toutes les Black Series exclusives. Il y avait Snoke sur son trône. Il y avait en la version 40e anniversaire, il y avait R5-D4, hein, c'est ça, Raphaël? Oui, c'est ça. Qui est hyper rare. Et là, il y en avait une trentaine. Je suis dégoûté, arrête. À 30 euros, même pas 29. Il y avait genre une trentaine, il y avait le Obi-Wan Phantom, il y avait le Kylo Ren de la salle du trône, il y avait le Stormtrooper avec tous les accessoires des derniers Jedi, et il y avait le pack de tous les Stormtroopers de toutes les couleurs différentes. Tout ça à des prix assez bas. Sur le coup, voilà, c'était, il y avait soit ce que je voulais, c'était un peu trop cher pour moi, soit je savais que je pouvais les revendre deux fois leur prix, mais je me suis dit non,
Déjà, t'as pas la place dans la valise et économise plus pour des choses que t'as vraiment envie d'acheter et pas acheter juste parce que ça a de la valeur. Bonne décision. Bon, et ben si c'est le tour de nos WhatsApp Star Wars, on va passer en hyperespace pour aborder notre sujet. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Bon alors Raphaël, on va parler de la vente des jouets Star Wars dans les années 70 où ça va exploser jusqu'à nos jours où ben c'est un peu la catastrophe. Ouais, c'est un peu la saturation. Je vais vous expliquer, donc je vous relater un peu les années 70-80 dans le domaine du jouet pour aller jusqu'aux années 85 et après pour finir sur ces années-là qui sont les années 2000 on va dire. Voilà. Et puis après on pourra échanger ouais. Parce qu'on a posé des questions, on a des questions qui vont venir en plus. Oui, on est... ouais. C'est ça. Et puis surtout c'est pour recentrer un peu le sujet pour expliquer aussi le pourquoi du comment. Vous allez voir, c'est très simple. On va commencer avec des choses relativement simples. Hein. Fin des années 70, début des années 80. Donc là c'est le premier film La Guerre des Étoiles qui vient de sortir. Puis arrivera quelques mois après, même année, le deuxième et le troisième qui clôturera la trilogie. Là où on est aux années 78-85, les figurines de la guerre des étoiles arrivent en France à l'époque, c'est des emballages individuels, c'est sous baguille, pour les puristes, qui sont reconditionnés sur des cartes. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, les jeux en tant que tels arrivaient en individuel, étaient reconditionnés en France, d'accord, sous la marque Mécano. C'est pour ça qu'il y a eu des cartes françaises à cette époque-là, sous différents formats, parce que c'était l'époque où on était un peu de liberté pour commercialiser les produits, qu'on n'était pas dans une fabrication de masse, comme pouvait l'être après beaucoup plus tard. Donc, ces blisters à l'époque, on pouvait les retrouver dans les magasins parisiens, n'y voyez pas une quelconque connotation. Hein. C'est tout ce qui est les nouvelles galeries, toutes ces choses-là, qui avaient beaucoup de magasins dans nos régions en parallèle, qui distribuaient ce type de produits à l'époque, d'accord. Et ce qui faisait qu'on avait encore un peu de difficulté à les avoir dans les hypercentres. Alors, j'appelle les hypercentres, les centres-villes maintenant. Dans les magasins de jouets traditionnels, c'était disponible. Alors, dans les magasins de jouets traditionnels, donc, c'est là où ça commençait à sortir aussi. Parce que c'était l'époque des détaillants sous les enseignes, un peu, je me souviens de mémoire, c'était la Haute à Jouer ou encore les Jeunes Années, qui c'était détaillants qui avaient fait une place pour ces jouets-là. Il faut le mettre dans le contexte. Hein. On sort d'une année où le cinéma et le lien entre le cinéma et le jouet n'étaient pas encore réellement faits. On était plus encore dans une époque où Mécano produisait surtout des jouets de construction, c'était surtout les petites voitures, et puis ça restait quand même un produit semi-luxe. Ce que j'appelle semi-luxe, c'est que les enfants moins riches jouaient plus facilement aux billes qu'aux cobayes aux Indiens, qu'avec des jouets de ce type-là. Donc là, mais l'arrivée du film en tant que tel de Star Wars, alors je dis bien Star Wars, comme un bon bourguignon que je suis, même si Pierre, celui qui est en charge des pneus sur le TGV, se moque régulièrement de mon accent, il faut remarquer que l'on ne dit pas Star Wars, mais bien Star Wars. Bon, fermons cette parenthèse, ça aidera sans doute mes séances chez mon orthophoniste, comme dirait. Mmh. Allez, je reviens à nos jouets. Star Wars allait bouleverser en fait le monde du cinéma comme sur la distribution des jouets. C'est-à-dire quoi ? Qu'à partir de cette époque-là, les jouets sous licence arrivent. Alors, quand les jouets arrivent, ce sont tout ce qui est lié au dessin animé aussi. Alors, c'est l'époque alors, de Goldorak en 78, d'Ulysse 31 pour ceux qu'on connu en 81. Donc, je crois que tu les as pas connus parce que tu es né 5 ans après. Ouais, mais ça passait encore à la télé. Voilà. Et moi, j'étais en première diffusion, imagine-toi quoi. Donc, en fait, ces dessins animés et le film de Star Wars a bouleversé en fait l'ordre préétabli dans le monde des jouets et sur sa distribution. C'est-à-dire quoi ? Qu'un produit de grande consommation arrive, d'accord ? Donc, on arrive à une notion qui est la fin de l'époque de la rareté et début de l'abondance. Rareté parce que peu distribué, c'était dans les grands magasins ou dans les magasins d'hypercentres à des prix un peu élevés, d'accord ? Pour arriver à ce qu'on appelle une époque d'abondance. Alors, l'abondance, c'est très simple. Hein. C'est lié aussi à l'apparition des grandes enseignes qui vont distribuer plus largement les jouets. Sans s'oublier qu'à cette époque aussi, il y avait Lucas Magazine dans les années 95 qui lui aussi avait une page spécifique pour vendre des jouets. Voilà, alors moi, c'était là que j'ai commencé à collectionner ça, en 95. Mmh. Avec les figurines bodybuildées. Parce qu'en fait, après la période vintage, il y a eu un peu un creux. Tout à fait. Parce qu'il n'y avait pas d'actualité avec les films. Et c'est Hasbro, enfin Kenner, qui s'appelait encore Kenner, mais qui avait déjà été racheté par Hasbro. C'est oui, ça, c'est ça. Qui voulait relancer une gamme de jouets. Et je crois qu'à l'époque, il y avait les maîtres de l'univers qui marchaient bien. Exactement. Hyper baraqués. Ouais. Et du coup, ils se sont dit, ah bah tiens, les figurines Star Wars, faut les faire hyper baraqués aussi. Et au final, ben, c'est pas très beau. Même si moi, j'ai beaucoup de nostalgie de ces figurines hyper baraquées parce que c'est les premières que j'ai eues. Et je suis bien content de les avoir encore. Je pense que tu as raison dans l'analyse de dire que c'est bodybuildé. Est-ce que ça faisait le lien aussi avec toutes ces séries télé
qui venait de sortir, donc qui faisait le lien avec. Et on retrouve ces jouets plus facilement dans un grand mode de distribution, encore que, on va dire, les Goldorak, les Ulysse 31 ou les Maîtres de l'Univers, dans les grosses conditionnements, c'est-à-dire les châteaux, les personnages, on les trouve encore dans les magasins spécialisés. Mais la grande distribution, elle, va mettre en place toutes les nouveaux, ce qu'on appelle les nouvelles cartes avec les bodybuildés, où on la trouvera facilement dans ton Leclerc approximatif. Je m'en souviens. C'est une période que j'ai adorée parce que, bah, tu vois, j'étais enfant, je pouvais pas, enfin, j'étais pas dépendant, j'étais totalement dépendant financièrement. Donc, c'était, bah, si j'avais un peu d'argent de poche, bah, j'économisais pour m'acheter. Tu vois, c'était en francs à l'époque. Je crois que j'avais peut-être 10 francs toutes les semaines. Alors, tu vois, si c'était 60 francs à l'époque une figurine, ce qui coûtait à peu près 10 euros aujourd'hui, ce qui est impensable. Mais voilà, donc j'économisais mes 60 francs. Et au bout d'un mois, voilà, un mois et demi, je pouvais m'acheter une figurine. C'était génial. C'était waouh. Et c'était, voilà, un vrai plaisir d'enfant. Et que j'ai perdu aujourd'hui, voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas pareil. Même quand je déballe une Hot Toys, j'ai l'impression que j'ai moins ce plaisir que quand j'étais enfant avec une petite figurine de 10 cm. Ouais, là, ce que tu évoques est bien aussi sur la notion de Hot Toys, c'est que là, on parle d'une nouvelle gamme de produits qui n'existait pas au préalable dans ces années passées. Voilà, en 95, il n'y avait pas de produits collecteurs, c'était que des jouets. Il y avait Atacus qui avait sorti des figurines à cette époque-là, déjà, je crois. De mémoire. Oh non, Atacus, c'est année 2000. Ouais, 2000, ouais. Donc là, on est encore en 95. Ouais. Enfin, c'était à l'époque, j'avais même pas encore Lucasfilm Magazine. Et c'est en fait c'est dans les catalogues de jouets que je découvrais les nouvelles figurines. Donc en fait, c'était tous les ans dans les catalogues de jouets de Noël que je découvrais les nouvelles figurines qui allaient être produites. Et je découvrais en allant dans les rayons jouets des hypermarchés ou des magasins de jeux que je découvrais qu'il y avait des nouveaux personnages qui se créaient, quoi. Moi, je me souviens, j'avais un de mes potes qui. J'étais en CM2, voilà, ça date, hein, qui m'avait dit: oh, j'ai trouvé Greedo dans un magasin de jouets. Et j'ai fait: ah, t'as Greedo? Mais je savais même pas que Greedo existait en figurine et tout. Et c'est ma grand-mère qui habitait à Reims à l'époque, qui était dans les Gagafettes et qui me l'a trouvé. Alors aujourd'hui, je m'en fous de Greedo, hein, mais à l'époque, c'était. Oh, j'avais un personnage secondaire parce que tu vois, j'avais les Han Solo, les Luke, les Stormtroopers, les Dark Vador, les Boba Fett. Mais Greedo, c'était le premier personnage secondaire qui existait. Et je me suis dit, oh, un personnage secondaire comme Greedo, ils l'ont sorti en figurine, c'est génial. Ouais, puis c'est le premier monstre aussi, entre guillemets, quoi. C'est le premier personnage. Ouais, j'étais naïf. Parce que maintenant, des Greedo, t'en as 10 000. Et puis t'as même des personnages que tu vois un quart de seconde dans le film qui a sa figurine, quoi. Mais pour dire, voilà, c'était une époque, eh ben, avec beaucoup moins, on était beaucoup plus heureux. Ouais, puis c'est l'époque, comme d'évoquer, quand je l'ai évoqué, il n'y avait pas encore les grands magasins de distribution spécifiques au niveau des jouets, il n'y avait pas tous ces là. On avait refait du Star Wars avec des rééditions de Star Wars, hein, l'épisode 4, 5, 6 avec remasterisé. Donc ça relançait un peu la consommation, ce qui faisait le parallèle avec la vente des jouets dans les grandes surfaces. Ouais, et puis c'est l'édition spéciale qui a poussé ces éléments-là. Donc après, c'est vrai que pendant quelques années, moi je me souviens à cette époque-là, donc j'ai au magasin, on arrivait à avoir des choses exceptionnelles dans des magasins parisiens. Donc à l'époque, c'était l'époque de Pulp, de Galaxy Store qui nous a quittés, le magasin n'existe plus. C'est l'époque de ces magasins-là qui avaient des produits qu'on n'avait jamais vus. Moi, j'ai connu l'existence de ces magasins-là très tardivement par rapport à toi. Moi, j'ai découvert, c'était avec le magazine 10e Planète, que j'ai découvert qu'à Paris, il y avait des magasins où on n'avait que des figurines qu'on pouvait acheter que là-bas, quoi, qui n'étaient pas dans les supermarchés. Est-ce qu'au début, c'était avec le Lucasfilm Magazine que je découvrais les nouvelles figurines et je me disais, ah, ça va peut-être arriver dans nos magasins de jouets dans un an, parce que ils étaient en avance. Et quand 10e Planète est sorti, 10e Planète, c'était un magazine sur les produits dérivés en général, j'ai découvert qu'il y avait plein de publicités pour des boutiques à Paris. Alors maintenant, je suis parisien depuis 10 ans, mais à l'époque, Paris, j'y allais une fois tous les deux ans. Et du coup, j'ai découvert que des figurines que j'imaginais même pas étaient en vente dans des magasins spécialisés à Paris. Et du coup, pour les avoir, ben, en fait, j'avais un deal avec ma grand-mère qui était, elle m'emmenait à Paris si j'allais faire un musée avec elle. Et après, avec mon argent de poche, on allait dans les boutiques spécialisées, c'était Pulp généralement, et on allait m'acheter des figurines que je pouvais pas trouver dans les supermarchés. J'achetais 2-3 figurines, mais c'était déjà
fantastique pour moi. Mais c'est l'époque de Lulu Berlu, de magasins comme ça, qui avaient des produits aussi en loose, de l'époque vintage, qui étaient déjà disponibles. Et ces produits-là, c'est avec la sortie de la trilogie refaite, quoi, qui nous a permis de découvrir ces magasins-là, avec l'arrivée de cette frénésie de collectionneurs, en fait, où des gens apportaient une vision culturelle aux jouets, qui n'était pas au préalable. C'est-à-dire que les gens ont commencé à faire autre chose, de voir du jeu dans un jouet, mais voir le produit en tant que tel. Donc c'est ça qui a été intéressant et qui a transformé petit à petit aussi l'évolution. C'est-à-dire que on est arrivé à un moment où on ne le trouvait pas, on le trouvait à un moment où on avait encore des produits avait un peu de rareté, mais un peu d'abondance dans le sens où la rareté était la rareté américaine, jusqu'à ce qu'on arrive à la saturation qui est arrivée que l'épisode 1, là. Même je trouve que enfin Oh, dis-moi. alors je suis pas totalement Ah d'accord ben. avec toi. En fait, ça dépend des vagues de Ouais. figurines. Par exemple, pour la série Power of the Force Oui. 2, en fait, c'était les cartes un peu Oui. bodybuildées, mais les cartes Orange et verte. orange et cartes vertes. Ça, on les trouvait dans les supermarchés sans souci, et dans les magasins de jouets sans souci. Toutes les vagues, je pense On les a tous qu'on, eus. à part deux, trois vagues qui sont jamais sorties comme ça, enfin, 80% de ces figurines étaient disponibles en grande surface et en supermarché. Après, on a eu l'épisode 1 où c'était le raz-de-marée. Il y en avait à boire et à manger, il y en avait à tort et à travers un peu partout. Et après, il y a eu cette magnifique série de figurines, c'est la meilleure à ce jour, qui était Power of the Jedi. Et les blisters, c'était Dark Vador avec Obi-Wan épisode 1 par-dessus. Et c'était des blisters verts. Et chaque figurine était livrée, plus avec un socle avec une puce électronique, mais avec un petit livret qui donnait des informations dessus. Et c'est encore à ce jour, parce que là on est en 2001, et c'est encore à ce jour la gamme de figurines la plus détaillée et la plus fine dans les détails que Hasbro ait jamais sorti. On avait les personnages des épisodes 1 et 4, 5, 6, parce que l'épisode 2 et 3 n'étaient pas encore sortis. Et c'était l'arrivée des figurines avec plus d'articulation, avec plus de détails, plus de finition. Et surtout, ces figurines n'étaient pas super articulées comme le sont les Black Series, des choses comme ça. Mais en fait, elles avaient des poses bien précises. C'était limite des mini-statuettes. Parce qu'en fait, vu que certaines avaient des poses mais vraiment précises, en fait, la figurine, elle avait qu'une pose crédible. Elle avait certes des articulations, mais si on mettait pas la pose spécifique pour laquelle elle avait été conçue, ça rendait pas bien. Mais du coup, le fait de prendre parti, de prendre des poses bien axées pour certains personnages, c'était génial. Et c'était vraiment des petites statuettes en plastique qu'on avait, quoi. Et cette gamme-là n'est jamais sortie dans les grandes surfaces et dans les magasins de jouets. En France, le seul moyen de les acquérir, c'était le Lucasfilm Magazine ou les boutiques spécialisées à Paris comme Pulps, Album, les choses comme ça. Et là, c'était bien parce que là, il y avait la chasse. Là, en fait, on partait. Il y avait vraiment toute cette démarche de trouver cette figurine, parce qu'on pouvait pas dans les quand, au quotidien, on les trouvait pas. Donc, il y avait vraiment une démarche de l'acquérir. Et le plaisir de la recevoir n'était que plus grand, quoi. C'était génial. Et il y a la plus belle figurine Hasbro jamais sortie qui était dans cette vague. C'était le Boba Fett 300e. C'était la 300e figurine Hasbro. C'était Boba Fett. Et c'était dans un blister fenêtre avec le décor de Bespin derrière. Et il y avait le petit clin d'œil au premier Boba Fett vintage, c'est-à-dire qu'en fait son jetpack était lance-missile. Et à ce jour, c'est la figurine 10 cm de Boba Fett la plus détaillée qui existe. Et elle est magnifique. Et moi, je l'ai acheté deux, du coup, une pour la déballer et une que j'ai laissé emballer, que j'ai fait signer par Jeremy Bullock. Bah dis donc. Oh, quelle nostalgie tu nous fais. Voilà, c'était ma tirade. Nostalgie des années 80 où j'avais déjà plus de 20 ans. Non, là, c'est là ce que j'ai raconté. Là, c'était les années 2001-2002. Parce Ouais, j'avais qu'après, 30 ans alors. en 2002 sont arrivées les figurines Saga, c'est les figurines de Ouais, c'est l'épisode ça. 2. Et là, c'était le retour dans les grandes surfaces partout, partout. Ouais. C'est vrai que là, on arrive à la saturation. On dirait que non seulement il y avait cette saturation-là, puis la saturation d'épisode 1. Moi, je me souviens à 3. l'époque, mon boucher vendait des porte-clés, ma boulangère vendait des porte-clés, et moi, dans mon magasin, j'avais des produits à l'identique, mais à foison, alors que des produits très, très exclusifs, comme le vaisseau de la reine Amidala, on n'avait qu'un seul Ouais. exemplaire et on avait la AT-AT, pourtant ça s'est vendu. C'est des jouets qui à l'époque coûtaient 1000 francs.
Donc pour aujourd'hui, c'est dérisoire. Mais à cette époque-là, c'était quelque chose d'inaccessible. Et ben, les gens l'achetaient. Et ça m'a toujours marqué. Parce qu'aujourd'hui, ce serait la nef là, qui était à 1000 francs à l'époque là, de la reine. Aujourd'hui, elle ne serait pas à 150 euros. Aujourd'hui, elle serait à 300, 400. Ouais, par là, ouais. Ouais, bien. Bien 300, 400, Donc voilà, les chiffres sont plus du tout les mêmes, quoi. Et c'est en 10 ans, hein. En 10 ans, 10, 15 ans, ça... Le tarif a explosé, quoi. C'est... Bah, le tarif a explosé, puis ce qui est surprenant aussi, c'est comme tu évoquais tout à l'heure, on parlait des figurines, mais il n'y a pas que les figurines, est arrivé d'un seul coup une multiplication de produits, c'est-à-dire les statuettes, les... Oui, voilà. Alors, au début des années 2000, avec Atacus. Avec Atacus, puis d'autres marques comme... j'ai pas eu... Ouais, ça a démarré avec les statuettes Atacus. Après sont arrivés les bûches de Gentle Giant, c'est ça. Qui coûtaient, alors ça je tiens bien à le dire, les bûches de Gentle Giant à l'époque, c'était 60-80 euros. Là, t'es généreux, je dirais plutôt que 50 à 70, moi. Franchement. Ouais. C'est vrai, non, mais c'est vrai. Maintenant, Gentle Giant, le même buste, hein, vous l'avez pendant tout de 120. Ouais, c'est ça. C'est assez ahurissant. Non, mais c'est un truc de fou. Mais c'était les premiers collecteurs, quoi. Les statuettes, c'était Atacus. Après, c'était les Gentle Giant qui avaient commencé les bustes. Donc, il y avait deux produits collecteurs différents. Puis après, c'est Sideshow qui a eu la licence, qui a commencé à faire des poupées. Des poupées 12 pouces et quelques statuettes et des dioramas. Ouais. Et après, il y a Master Replica qui est arrivé aussi. Enfin, bref, c'était l'explosion des produits collector en plus des jouets. Parce que le seul produit collector qu'on avait à l'époque, c'était Icone qui avait sorti quelques sabres laser. On n'avait pas d'autres choses qui existaient, quoi. Et là, d'un seul coup, tout est sorti. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un support, pas un format, pas une taille qui n'était pas exploité. C'est à ce moment-là que moi j'ai eu mon tournant vrai collectionneur, quoi. Le fer de lance de ma collection, c'était les figurines 10 cm. Mais je me disais, ah, j'ai peut-être en acheté moins, et j'ai peut-être m'acheté un Bush Gentle Giant, j'ai peut-être m'acheté une Atacus, j'en avais une à Noël, parce que ça coûtait cher. Ouais, bon, parce que le marché s'y prêtait, les produits s'y prêtaient aussi, hein, faut remettre les choses dans leur contexte aussi. Alors qu'il n'y a pas d'objet tellement collector pour les premières versions de jouets. C'est arrivé donc avec l'épisode 1, et puis après, comme on l'a dit, on est arrivé dans une profilation, un truc incroyable, imbuvable, indigeste de jouets disponibles partout, n'importe quand, n'importe quand tu veux. Et c'est ce qui a peu apporté une saturation du marché. Hein. Ouais, c'était, mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas que les jouets, parce que aujourd'hui, t'as la... enfin, même à l'époque, hein, t'avais l'époque de l'épisode 1 et 2 et 3, je parle. Hein. Et 7 aussi, mais ça, on en parlera plus tard. Mais t'as la brosse à dents Star Wars, t'as les draps Star Wars, t'as les céréales Star Wars, t'as la tout Star Wars, quoi. C'était à partir de l'épisode 1, voilà, chaque fois qu'il y avait la sortie d'un film, c'était poum. On en a partout, dans les cordons bleus Star Wars. Enfin, ça devient un peu n'importe quoi des fois, quoi. On a même eu les hamburgers. C'était Quick qui avait fait ça, il y avait un hamburger noir d'Arc Vador, quoi. On est arrivé à un stade où c'était trop. Alors, il n'y avait plus ce côté chasse. Quand tu disais qu'il y a trop de produits, je suis d'accord avec toi, mais aussi trop de centres de distribution. C'est l'arrivée des grandes enseignes du type Maxitoy, tous ces magasins, la Grande Récré, Toys R Us, toutes ces choses-là qui arrivent aussi sur le marché. Qui était avant dédié à des grandes villes, qu'on retrouve maintenant, moi, rien que dans ma petite ville de 40 000 habitants, j'ai pratiquement toutes les enseignes de jouets qui sont présentes, à part une ou deux, mais elles sont toutes là. Ouais. Donc c'est vrai qu'on arrive à cette situation-là où non seulement on arrive à une espèce de saturation du jouet, parce que tous les formats, tous les trucs, donc le plaisir est maintenant assoumis, donc on n'a plus besoin de reprendre autre chose. Puisque tu collectionnes les statues, tu sais que les statues vont sortir. Tu dis qu'est-ce que le prochain format qu'ils peuvent inventer, donc tu attends le prochain format. Et tu dis que maintenant, qu'est-ce que je fais, quoi ? Est-ce que j'attends ou est-ce que je collectionne ? Est-ce que le collectionner existe encore ? Parce que quand tu as des tirages à 2500 exemplaires, tu dis est-ce que c'est vraiment rare ? Et là, on fera le lien tout à l'heure avec le fameux Hasbro, sur le crossfooding de Hasbro, où on se pose des questions sur les quantités, les volumes. Est-ce que le marché n'a pas perdu de sa lecture, de sa... Là, on est encore dans les années 2000, entre 2000 et 2010, là. Donc, dire le produit dérivé Star Wars se porte bien. Pour l'instant, les ventes sont bien. Mais aussi parce que l'offre était cohérente avec la demande. C'est-à-dire que toute la période entre, je dirais, 2000 et 2005, hein, la période de la prélogie, je trouve que toute l'offre des produits dérivés était cohérente avec la demande qu'il y avait. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas, je trouve. On en reparlera un peu après, parce que on en parlera quand on abordera la période des années 2010-2015 surtout. Mais voilà, moi j'ai pas senti encore l'overdose. J'ai pas senti qu'il y avait des produits dérivés dont j'avais pas besoin. Ouais.
encore dans les années 2000. Alors, ouais, l'overdose, je peux expliquer pour quelqu'un de mon âge, parce que c'est l'avantage d'avoir deux âges et deux visions différentes du marché, c'est que moi, j'avais déjà vécu la première vague, vécu la seconde vague avec la grande distribution dans les, puis la grande distribution en tant que telle dans les Carrefour, dans les Leclerc, où j'avais déjoué. Avant, j'en avais du mal à trouver un blister. Là, j'arrivais devant un rayon, on avait 30, 20, 25, même en solde. Je veux dire que c'est des produits qu'on trouvait en solde. Moi, je me souviens d'aller en grande surface à Leclerc avec deux chariots remplis de Star Wars, quoi. Des blisters qui étaient à moins 80%. La caissière me voit arriver, elle me dit, mais j'en ai encore en stock. Il dit, mais je prends tout dans le stock. Et je rentrais à la maison, j'avais à peu près 400, 500 blisters à la maison, quoi. J'ai liquidé tous les Leclerc de la région, quoi. Et tu étais content d'avoir tous tes jouets comme ça? Tu avais autant de plaisir? Alors, autant de plaisir, non. Je pense que c'est surtout de l'accumulation. Je pense que c'est l'accumulation, plus que je pense qu'il y avait une thérapie profonde à faire, là, à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Parce que, en fait, je pense que tous les deux, on a atteint un stade. T'as le premier stade où, en fait, tu composes ta collection et tu as tous les personnages principaux que tu souhaites avoir. Et après, quand tu les as tous, tu deviens complétiste. Mmh. C'est-à-dire que, ce personnage-là, il irait bien avec celui-ci. Et ce buste-là, il irait bien avec celui que j'ai déjà et tout. Et là, tu deviens complétiste. Et là, ça devient une maladie, j'ai envie de dire. On fera une thérapie de groupe, on est plusieurs personnes dans ce cas-là. Je pense qu'on peut... Ça va faire le trou de la sécurité sociale, mais voilà, c'est mon analyse. Je pense que l'analyse est tout à fait honnête et réaliste. Moi, j'ai jamais eu autant de plaisir que quand j'étais enfant ou quand j'étais lycéen, collégien, où ben, vraiment, il y avait le côté, j'attendais d'économiser pour l'avoir. Et aujourd'hui, ben voilà, je travaille, j'ai un salaire, et le plaisir d'acheter une figurine aujourd'hui est très inférieur à celui que j'avais quand j'étais enfant. C'est pour ça que quand on parlait tout à l'heure de WhatsApp, ce que j'achetais actuellement, c'était des jouets différents, c'est parce que j'ai besoin de retrouver le plaisir que je n'ai plus dans le jouet actuel, quoi. Voilà. C'est qu'aujourd'hui, des enseignes comme Sideshow ou des entreprises comme Gentleman Gent ou des, comme Atacus, aujourd'hui, si quelqu'un veut un produit, moi je connais des personnes qui ont à peu près aujourd'hui des collections complètes à vendre. Voilà. Parce qu'il arrive un moment où ils sont arrivés à la saturation, ils voient que ça ne leur a pas apporté plus, c'était que plaisir au départ, et puis avec un peu de recul et de maturité, la société a fait que les choses sont un peu plus difficiles économiquement, donc c'était plus simple dans les années 80 d'acheter ce type de figurines, là dans les années 2000 c'est un peu plus compliqué, donc il y a aussi ces éléments-là qui ont fait, et puis on a grandi aussi, c'est ce que je disais, moi j'ai pas d'enfants, et puis d'un coup je suis retrouvé avec trois enfants, alors retrouver c'est un grand mot. C'est ça. Moi je n'ai pas encore. Mais voilà, et puis après tes enfants font des études, donc c'est vrai que ça recadre un peu les éléments de la collection. Et c'est ce qu'on retrouve dans la collection parce que les personnes qui ont fait les premiers achats, après toi, tu as la deuxième vague qui est la tienne, qui est arrivée, après la vague de mes enfants qui, eux, collectionnent les jouets, mais sans plus, parce que, comme ils le disent, parce qu'il y a Avengers, il y a Marvel, il y a toutes ces choses-là, et qui fait que... Oui, voilà, maintenant, il y a beaucoup plus de produits et beaucoup d'opportunités. De produits dérivés de films qui existent tout court, quoi. Je me suis dit, voilà, Star Wars, quand j'ai vu que Rian Johnson allait avoir une nouvelle trilogie, que les producteurs de Game of Thrones allaient avoir une série de films, je me suis dit, bon, wow. Je pense que à long terme, 90% de ma collection Star Wars, ça va se limiter aux épisodes 1 à 9. On a l'histoire des Skywalker. Voilà. J'aurai des produits dérivés en rapport avec la saga Skywalker, les épisodes 1 à 9. Après, tout ce qui est spin-off et trucs comme ça, je me dis pas que j'achèterai rien, mais j'achèterai peut-être une figurine par film, deux maximum. Alors, attends, si je peux dire aux gens qu'ils enregistrent bien ce que tu viens de dire concernant t'achèteras rien, c'est à peu près aux alentours de 34 minutes. Non. On en reparlera quand Han Solo va sortir. On en reparlera. Tu sais quoi, le spin-off Han Solo, j'ai prévu juste de m'acheter la figurine Black Series Han Solo, peut-être deux fois, une pour la maison, une pour le bureau, et puis le méchant là, qui a un design sympa là. Et puis c'est tout, je ne ressens pas le besoin d'acheter autre chose. Voilà, ça me suffira. Et après voilà, si mes enfants aiment bien Star Wars, mes futurs enfants aiment bien Star Wars, je ne les empêcherai pas d'en avoir. Alors on revient à notre époque. Non, on a fait les années 2000, maintenant on va peut-être parler des années 2010. Voilà, c'est ça, c'est que toutes les périodes dont on a parlé, le produit dérivé Star Wars se porte bien. Généralement, la marque Star Wars, ça fait tout vendre. Tout à fait, tout se passe bien, c'est bien. Ça fait vendre. Même s'il y a de l'overdose, il y a toujours un marché qui existe. Donc voilà, on arrive à s'y retrouver. On est content, voilà, il n'y a pas de souci. Et puis. Catastrophe. Ouais, catastrophe. Oui. Ouais. C'est arrivé en 2015. Hein. Enfin, si, il y a eu quand même un creux de la vague avec. Il n'y avait pas de film. Il y a toujours la série Clone Wars, mais toi, je pense que tu sais mieux que moi, mais est-ce que les jouets de la série The Clone Wars se vendaient bien? Alors, elles étaient particulières, elles répondaient à un marché, qui est le marché du jouet, du dessin animé, on va dire, ça a été très bien, mais le problème, c'est que
les personnages étaient toujours les mêmes entre nous. C'est plus difficile de vendre des jouets d'un dessin animé, d'accord, quand c'est pas un Disney en tant que tel, un film d'une heure et demie. Mais là, c'est des petits épisodes, donc peut-être c'est le problème que les gens ont eu un peu de mal à faire le lien entre le jouet et la série. Voilà, je pense surtout. Ouais. Mais c'est vrai qu'autrement, moi j'ai adoré, il y avait des séries... Matt Windu, je me souviens, j'adore ce jouet-là, quoi. Pour moi, il était impeccable. C'était beaucoup mieux travaillé à l'époque, déjà. Et arrivé le rachat de Star Wars par Disney et le tsunami en 2015 de produits dérivés. Mmh. Alors, je crois que les jouets en 2015 pour le Réveil de la Force ont très très bien marché. Par contre, pour Rogue One et pour les derniers Jedi, c'est la cata. C'est la cata. Alors, ouais, c'est ça. Comment tu l'expliques ça? Moi, j'ai ma petite idée, mais je te laisse d'abord de me dire pourquoi toi tu penses que ça a été la cata. Pour moi, deux choses. Donc, c'est peut-être lié au film aussi, on est bien d'accord. Ça, on reviendra pas dessus, peut-être différent. On peut pas être d'accord, mais je pense que c'est pas lié au film, moi. Oui. Parce que quand tu prends du recul, les épisodes tels qu'on les a vécu à notre époque, c'était des soap-opéras, et puis ça a marché aussi. Je pense pas que ça vienne des films. Ah non, alors on est d'accord. Pour moi, ça vient pas des films. Non, ça vient pas des films. On est d'accord. Moi, ce qui m'a un peu surpris dans la sortie des jouets de cette époque-là, donc qui est pas si vieille que ça en fait, c'est que on est arrivé à une saturation. Ça veut dire que il y avait tout de tout. C'est-à-dire que Disney est arrivé, voilà, et Disney a cassé aussi la production en faisant des produits spécifiques pour ses parcs qu'on trouvait jamais nous en France. Des exclusivités qu'on trouvait nulle part. Pour moi, ça a faussé un peu le marché, sans le sens où on cherchait des choses qu'on ne trouvait pas. Et à côté de ça, tu allais en Espagne, comme tu disais, dans tes vacances, tu trouvais les produits en des produits rares, mais à profusion, quoi. Et je pense que c'est tout ça qui a été fait. Il y a eu un défaut de distribution des produits. Voilà. Moi, c'est surtout ça. Ouais. C'est pas lié. C'est un défaut de distribution où les jouets ont été annoncés et pas distribués ou très mal distribués. D'accord. Et où il y a une égalité de distribution entre des jouets en Allemagne, des jouets en Angleterre, des jouets en France, alors qu'on est soi-disant tous européens. Donc ça, c'est surtout ça qui m'a le plus gêné pour les jouets. Moi, je prendrais plus ces éléments-là comme un défaut de distribution des jouets. Voilà. Alors moi, je pense qu'au moment de l'épisode 7, l'offre ne correspondait pas forcément à la demande. Si l'épisode 7, les produits dérivés se sont très bien vendus, c'est parce que c'était l'effet du retour de Star Wars. C'était le retour du Star Wars, donc le grand public s'est intéressé à Star Wars. Donc quoi qu'on nous donnait à manger, on le prenait. Tout s'est acheté. Sauf que les gens ont été déçus des produits dérivés de l'épisode 7. Et du coup, ils n'ont pas fait la même erreur sur Rogue One et sur l'épisode 8. Ils ont été beaucoup plus sélectifs. Parce que, et je vais revenir, désolé encore une fois, sur cet exemple de Han Solo. Pour moi, c'est très... Objectivement, c'est l'effet le plus parlant, voilà. Quand un nouveau film sort, les gens, ils veulent quoi en figurine? Ils veulent les personnages principaux. Donc, il y a les enfants qui vont peut-être plus être axés sur les Rey, les Finn, les Poe Dameron, les Kylo Ren, et les collectionneurs. La cible, voilà tous les gens qui ont connu la trilogie originale et la prélogie, toute cette époque-là, toute notre génération. Eux, ils veulent quoi en figurine? Eh bien, ils veulent Leia, ils veulent Han Solo, ils veulent. Et qui sont des personnages principaux du Réveil de la Force aussi. Tout à fait. Et quand tu vois que pour le Réveil de la Force, on te sort dans les premières figurines en septembre. Un constable Zuvio qui est coupé au montage, un alien qu'on voit même pas dans le film. Qu'on te sort le garde Gavien en armure rouge qui est juste dans une scène du film. Oui. Et des Unkar Plutt ou des. Enfin, plein de personnages secondaires. Il y a même des personnages qu'on voit même 3 secondes sur Jakku, quoi. Ça, tu les as. Avant Noël, tu les as, il n'y a pas de problème. Mais que pour avoir Han Solo, tu dois attendre le mois d'avril 2016. J'aime bien si tu précises bien avril 2016. Attends, Leia, elle est sortie en septembre 2017. Ouais. Deux ans plus tard. C'est aberrant. Non, mais ça revient à ce que je disais, c'est un problème de distribution. C'est que. Non, c'est même pas un problème de distribution parce qu'en 2015, ils pouvaient même pas la distribuer, elle existait pas. Non, mais. Pas, ils l'avaient même pas ça conçu. Veut dire qu'ils ont, à aucun moment, ils ont fait une analyse concrète ils ont cru que tout allait se vendre. Ça, en fait, le problème, c'est la personne qui a choisi les personnages à faire. Parce qu'on a quand même une demi-douzaine de personnages sans intérêt qui étaient disponibles avant la sortie du film, et des personnages que les fans demandaient, mais vraiment, il y avait une forte demande, il a fallu attendre 6 mois au mieux pour les avoir. Parce que quand je dis Han Solo en avril 2016, ça, c'était que dans les magasins d'import. Parce qu'en France,
Bah non, le Han Solo au réveil de la Force en France. Il est disponible dans les grandes surfaces que depuis septembre 2017. Eh ouais. C'est Non, mais il y a un gros problème, et là, je suis. Donc, du coup, bah, les gens ont été déçus. Ils se sont dit, bah, j'ai tout acheté, mais au final, les personnages que j'ai achetés, ils m'intéressent pas. Et donc, du coup, bah, ça tombe pour Rogue One, ils vont faire pareil. Et pour les derniers Jedi, ils vont faire pareil. Sauf que, autant. Alors, Rogue One, c'était pareil. Il y avait des personnages qui importants qui n'ont pas été sortis tout de suite, et c'était vraiment pas top. Mais par contre, pour l'épisode 8, pour les derniers Jedi, je trouve qu'ils ont vraiment bien rattrapé le tir. C'est-à-dire que les personnages principaux, on les avait tout de suite. C'est-à-dire Luke, Kylo Ren, Rey, Finn et Poe Dameron sont arrivés un peu plus tard, mais on les avait avant le film. Ça, il y a pas de souci, c'était assez trouvable. Alors que c'était pas le cas du tout pour le Réveil de la Force. Et aussi, il y a eu un autre truc, c'est que nous, pour l'épisode 1, pour l'épisode 2 et pour l'épisode 3, les figurines 10 cm qu'on achetait 10€, 15€ grand max, elles étaient hyper articulées avec des accessoires et tout, c'était super bien quoi. Elles étaient réalistes, elles étaient belles. Tandis que les figurines de l'épisode 7 qui sont sorties en 10 cm et celles de Rogue One, elles sont ni fait ni à faire. C'est des Playmobil mal peints et ça coûtait le prix des belles figurines de l'époque. Et donc du coup, les gens se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va acheter ça quoi. Et avec l'épisode 8, ils se sont améliorés, voilà, ça revient un peu les figurines, certes pas plus articulées, mais plus détaillées, mieux peintes, mieux finies. Mais voilà, les figurines d'épisode 8, où là pour le coup le choix des personnages, tout ça c'était beaucoup mieux, mais ça paye les pots cassés de Rogue One et du Réveil de la Force. Les pots cassés sont facilement illustrés. Moi je vois dans les grandes enseignes style Carrefour, où ils ont sorti des exclusivités de packs de 4 personnages, il y avait tout le monde les voulait, personne les achetait quand on a vu les 4 personnages. Parce qu'on. Voilà et quoi. Et tu sais, moi je suis en contact avec le responsable Hasbro France. Et j'étais avec lui le jour de du Force Friday pour l'épisode 8. Et il m'avait dit, ah, tu verras, tu trouveras ces Black Series là et tout et tout. Et en fait, il y avait que les deux tiers des choses qu'il pensait qui seraient disponibles au Toys R Us. Et lui-même comprenait pas que certains produits qu'il y avait qui pensaient être disponibles dans la grande surface ne l'étaient pas. C'est dingue. Non, mais ça a été dingue, parce que moi je me souviens, pour avoir aussi mes contacts chez Toys R Us pour d'autres choses, où on regardait les colisages, les produits que tu cherchais, que tu attendais sont arrivés très très tard, et en quantité, mais quantité de gouttes d'eau quoi. Voilà que t'avais un beau personnage pour 15 à chier, entre guillemets, je me suis dit un gros mot, entre 10 que tu voulais pas sur les 12, voilà. Ça c'est pour le Réveil de la Force. Ouais, vraiment, mais c'était les choses qui étaient, tu te dis, mais... C'est ce que je dis, ce que je pense surtout, c'est que... La distribution a été nulle, mais le colisage, tout ce qui était fait, le choix des personnages, le choix de la mise en boîte, c'est-à-dire du colisage dans les cartons, le choix de la distribution qui était complètement aléatoire entre un pays et un autre pays, alors qu'on est censé être tous unis et tous pareils, pour moi, ça, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on est arrivé à ce qu'on appelle la saturation pure et dure. Voilà. Et c'est ça, maintenant, on arrive au dégoût. Voilà. Et voilà, et je pense que le choix des personnages, quelle que soit la marque, c'est crucial parce que et pour le coup Hasbro, même si maintenant ils font des choses très bien avec les Black Series, des choses comme ça, le choix des personnages est des fois est totalement incohérent, parce que par exemple la série Black Series 40e anniversaire, ça on en avait déjà parlé, c'est que dans chaque carton t'avais deux exemplaires de chaque personnage sauf de Han Solo et de R2-D2 où t'en avais que un. Du coup Han Solo et R2-D2 maintenant ils se retrouvent sur eBay à des prix exorbitants, et maintenant aujourd'hui des Leia tu en as mais alors à foison partout, et des Luke pareil. Aujourd'hui, quand je vais dans un supermarché, pour les derniers Jedi, je trouve que des roses Tico. Ouais. Vaut mieux mettre 4 Kylo Ren pour une rose et pas les produire de manière égale, quoi. Et ça, j'ai l'impression qu'ils le font pas. Ceux qui décident quel personnage on produit en premier et en combien d'exemplaires par rapport à d'autres, c'est pour moi des fois totalement incohérent. Et c'est bien dommage parce que tu vois, je te parlais des bootlegs tout à l'heure. Là, j'ai sur internet acheté je l'ai fait que deux fois dans ma vie, acheter des contrefaçons. Ouais. Mais je suis le premier à vouloir acheter les vrais. Et le problème, c'est qu'elles sont pas disponibles. Elles sont pas trouvables facilement, elles sont pas disponibles. Alors que s'ils les produisaient, ils les distribuaient d'une manière correcte, il n'y aurait pas besoin de faire ça. Et c'est vraiment dommage. Je suis d'accord avec toi, mais comme dirait si bien ma petite femme, il faut un temps pour tout. Alors, on va répondre aux questions aux auditeurs. T'es pas de mon avis ? Oui. Et puis en même temps, voilà. Vas-y. Juste une petite parenthèse avant les auditeurs. On parlait des grandes surfaces et on se voit que c'est la. On va parler de ça. Tout à fait. Oui. Quand même, c'est que Toys R Us et la Grande Récré, qui sont les deux plus grandes marques distributeurs, les plus grands distributeurs en France, ça se porte très mal. Ouais. Ça se porte très mal, malheureusement pour eux. On est un peu triste parce que c'est aussi ceux qui nous ont ouvert les yeux sur le jouet.
se portent mal. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure dans le préambule, c'est que le marché a un peu évolué. Aujourd'hui, ben, dans une ville de 45 000 habitants avec une zone d'activité à peu près de 110 000 habitants, on arrive avec une pléthore d'enseignes qui est vraiment incroyable. Et puis, sans parler des offres commerciales où tu as un jouet ou acheté le deuxième offert, tu as du moins 50% sur le deuxième jouet. C'est ton anniversaire, tu as moins 50%. Sans vérifier, c'est vraiment ton anniversaire. Hein. Et puis les offres commerciales ont fait que ben, les gens déjà attendent plus les offres pour acheter quoi que ce soit, alors qu'avant c'était pas le cas. Que les enseignes maîtres comme Lego se permettent de faire des promotions aussi sans t'y attendre. Donc le mec qui est dans son magasin, ben, il est tout triste de voir que Lego casse les prix, lui il peut pas. Et puis c'est vrai que malheureusement, je pense que c'est l'évolution aussi du marché où Internet a fait aussi la part belle à tous ces éléments-là. Où aujourd'hui, comme je disais, moi je prends juste un Prime Vortex pour un exemple, pour les Lego, qui est un logiciel qui permet de pouvoir choisir tes Lego le moins cher sur tous les Amazon du monde et te livre gratuitement. Moi j'ai un sniper, des snipers qui existent sur eBay par exemple, qui met en relation tous les eBay du monde. Mais les vrais eBay du monde, quoi. C'est-à-dire pas que tes paramètres. Et les mecs, ils snipent des trucs incroyables. C'est-à-dire que moi, un produit que j'ai acheté aujourd'hui 85 euros, le même produit aujourd'hui, livré en France, me revient à 39 euros. Donc c'est vrai que maintenant, les nouvelles technologies en train de pénaliser tout le monde, je pense. Voilà. Mais après, on est bien content de faire notre émission Webscaps aussi aujourd'hui, alors qu'avant, c'était pas possible non plus. Ouais. Et puis même, regarde, les Black Series à l'époque, en grande surface, elles étaient à 25-30 euros, ça a commencé en France. Hein. Maintenant, c'est 30 au mieux, hein. c'est plus 35. Hein. Donc c'est, ça a grimpé de 10 euros en 5 donc, ans. Donc, une petite pensée pour les gens de la grande récré, pour ceux de Toys R Us, en espérant que ça soit pas, qu'on n'arrive pas à une fin tragique, voilà, sur tout ça. Voilà. Bon, bah, alors il est temps de répondre à nos auditeurs qui ont bien réagi à la publication qu'on a faite tout à l'heure. On a Jérémy Défense qui nous dit super sujet de discussion pour l'épisode, mais qui pour moi me cause beaucoup de déprime quand je vois les valeurs des canards aujourd'hui, et sachant que j'ai tout jeté quand j'étais ado, je déprime un max. Je crois comme beaucoup que nous sommes déçus par la tournure des jouets Star Wars aujourd'hui, hormis les Black Series. Que pensez-vous de la continuité de la numérotation des nouvelles figurines vintage? Ne trouvez-vous pas que cela pourrait être un frein pour les nouveaux collectionneurs de vintage qui n'ont pas fait les premières séries en 2010 à 2012, comme moi? Ben moi, j'ai envie de te répondre, ça dépend si t'es complétiste ou pas. Le plus important pour moi, c'est d'acheter les personnages que t'aimes. Et pas forcément de compléter une gamme. Donc si t'es complétiste, effectivement, c'est compliqué. Et surtout, cette gamme-là qui a beaucoup marché à l'époque, ça va faire saigner ton porte-monnaie. Mais moi, je serais toi, je me concentrerais juste sur les personnages qui me plaisent, sans penser au fait que, bah tiens, dans cette gamme, il m'en manque un aussi. Voilà. Prends les personnages qui me plaisent. Et puis, c'est ça exactement. C'est qu'aujourd'hui, il faut mieux avoir un personnage ou deux personnages phares pour lesquels on achète régulièrement, plutôt que c'est la série complète, parce qu'une série complète, au moins un autre, la série va s'arrêter en plus. Et puis il n'y a pas forcément des personnages qu'on aime. Et puis pour recréer une série avec les mêmes personnages, pas trouver le même format, la même chose, avec un emballage différent, d'une autre couleur. Donc pour moi, c'est une bonne chose à réfléchir, c'est est-ce que je fais une série complète en espérant qu'elle ne se termine pas, ou en espérant malheureusement que celle dure très très longtemps, tu as pleuré pendant pas mal d'années, pour avoir après les choses qui peuvent se décaler. Je prends l'exemple, c'est souvent qui m'a fait rire la dernière fois, là, c'est sur les choses qu'on peut acheter par correspondance sur les casques et compagnie, où tous les gens ont acheté des casques et choses comme ça, pour qu'aujourd'hui tu retrouves tous les casques sur les sites de vente en ligne, moitié prix quoi. Donc c'est aussi, je pense, une réflexion qu'il faut avoir. Peut-être on n'est pas mature la première fois qu'on achète, mais une réflexion à avoir sur du long terme, sur sa collection. Voilà. Mmh. Je suis d'accord. Alors ensuite, on a Thomas, notre collègue, qui nous demande ce qu'il en est de la barge de Jabba chez Hasbro. Si on peut comparer ça en termes de prix et de type d'acheteur, si c'est jouable pour un enfant, voilà. Alors moi, je pense que la barge de Jabba à 500 euros, c'est un objet de collection plus qu'un jouet pour les enfants. Je pense qu'il y a une vraie jouabilité faite pour les enfants. On l'a vu, il y a plein de compartiments détachables et tout. Il y a vraiment une vraie jouabilité pour les enfants. Mais je pense que quand tu laisses ton enfant y jouer, tu lui dis fais attention quand même. Mais je pense honnêtement, on se l'a dit avant l'émission tout à l'heure tous les deux, c'est que elle finira pas par être produite, parce que le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait 5000 personnes qui précommandent la barge pour que la production soit lancée. Aujourd'hui, on n'en est pas à la moitié encore. Et il reste, je crois, 2 semaines.
Donc l'effet d'annonce est déjà passé depuis longtemps et le gros problème c'est qu'en fait Hasbro a lancé les précommandes seulement pour l'Amérique du Nord. Tout le reste du monde, eh ben, on peut se la carrer où, je pense. Donc c'est vraiment dommage parce que je pense que s'ils avaient ouvert les précommandes au monde entier, les 5000 auraient déjà été précommandés et là c'est mal parti pour y arriver. Mais vraiment mal parti. Surtout qu'elle sort de crossfunding aux États-Unis, n'est pas la même que chez nous, c'est que là-bas on achète le produit même s'il n'est pas encore disponible. Alors que nous en France, on achète le produit quand il est disponible. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on pouvait commander le produit pour le payer dans 2 ans. Ce qui permettait 2 ou 3 ans de mettre l'argent de côté. Là, il faut investir directement 499 $ sans les taxes. Je précise bien, parce que tout le monde a oublié qu'il y avait les taxes à rajouter dessus, de 18 ou de 11 pour ces pays-là. Donc, il y a quand même un coût encore à remettre derrière. D'après moi, c'est un beau produit, d'après moi. Mais je pense que le crossfooding, la notion de crossfooding qui a été faite aux États-Unis ne va pas avec l'univers mondial que peut être Star Wars, quoi. Surtout avec les parcs Disney qui font des choses Star Wars en France prochainement et toutes ces choses-là. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à comprendre la logique de tous ces éléments-là. Ouais, on est d'accord. Ensuite, on a Quentin Wolf qui aborde un sujet qu'on a déjà abordé tout à l'heure, c'est-à-dire que à l'époque, les figurines étaient très articulées et bien peintes, et maintenant, avec le réveil de la force notamment, on arrive avec des Playmobil avec des couches de couleurs douteuses et très peu d'articulation et des positions très statiques. Mais il est très enthousiaste par le retour de la Vintage Collection, donc c'est les figurines 10 cm avec des blisters type vintage. Donc il est très content que ça revienne, et puis nous aussi on est trop contents que ça revienne. Le problème c'est que ça serait mieux que ça redevienne la norme en fait, parce que maintenant t'as deux gammes 10 cm, t'as la gamme vraiment pour les enfants où c'est des Playmobil. Et certes, maintenant beaucoup plus détaillé, mais ça reste au niveau des articulations des Playmobil. Même le problème, c'est pas forcément les articulations, c'est les poses, parce que du coup, tu peux avoir des figurines très peu articulées, mais avec des poses dynamiques et réalistes. Et là, du coup, il y a pas de problème. Mais là, ça reste, ils ont tous un balai dans le trou des fesses, quoi. Donc c'est assez dommage. Et par contre, en parallèle de ça, on aura les Black Series, les Vintage Collection, qui seront super articulées, qui seront, je crois, 3 € plus chers. Oui. Plus pour les collectionneurs, mais je pense que ça sera pas la norme, hélas. Et ce qui serait bien, c'est qu'à long terme, c'est que les figurines super articulées redeviennent la norme. Point barre. Ouais, et puis encore pour les collectionneurs, qu'est-ce qu'on appelle collectionneur? Voilà, c'est aussi tous ces éléments là, quoi. Et enfin, on a Arnaud Henry qui nous dit: malheureusement, ce qui est fou, ce n'est plus la passion de la collection, mais plus de la spéculation et du profit. Quand je vois les prix sur eBay, ça la fait peur. Et ça fait un peu peur, ce phénomène qui s'accentue également par le fait que qu'en France, certaines figurines sont introuvables, par exemple les Black Series. Et voilà, ça on en a parlé tout à l'heure, de la distribution. Ouais, pour moi, c'est un gros problème sur la distribution des jouets. C'est ce qu'on évoquait tous les deux en aparté, puis à d'autres moments de la semaine, là, où on évoque que on comprend pas qu'un produit soit difficilement trouvable en France, alors qu'il suffit d'aller traverser, faire 20 km en Espagne ou en Italie, dans un magasin de jouets, et là-bas, ils en ont 40 exemplaires, quoi. Et là, tu dis, mais c'est pas possible. Voilà. Et quand tu poses la question, même eux ne le savent pas en interne, quoi. Voilà, quand tu poses la question à Hasbro. Moi quand je vois les produits qu'il y a au Disney Store Angleterre et qu'on n'a pas en France, je me dis mais attends, mais pourtant on a le parc Disney chez nous, je comprends pas. Eh ben non, cherche pas à comprendre, c'est comme ça. Voilà, cherche pas. Ah bon, cherche pas. Voilà. Et c'est ce qui m'écœure vraiment, quoi. Voilà. Après, pour revenir à eBay, tu as dit que les produits sont chers sur eBay, on voit que les produits qui sont pas vendus, je dis toujours. Parce que les produits vendus, on ne sait pas le prix, ils sont vendus dans la minute qui suit, les bons prix. Voilà, ça c'est une chose que je dis souvent, c'est que sur eBay, beaucoup de personnes ont une fausse analyse qui disent c'est drôlement cher. Non, c'est pas que c'est drôlement cher. Les gens ont des logiciels où ils cherchent régulièrement sur le bon coin ou sur eBay toutes les offres parce qu'ils ont des moteurs de recherche bien spécifiques et ils prennent dès que c'est disponible, quoi. C'est-à-dire qu'ils envoient un mail directement au gars, ils disent écoute, moi je t'achète tel prix, toutes ces choses-là, et ça c'est naturellement. Après, ce qui reste, c'est vraiment ce qui reste, c'est ce que personne n'a acheté parce que c'est trop cher. Voilà. C'est aussi faire attention à ne pas faire une analyse rapide et déformée du monde du jouet après eBay, quoi. Bon, alors pour finir cette émission, Raphaël, ce que je te propose, c'est que on refasse une émission sur le même sujet dans 5 ans. Ouais. Comme ça, on voit comment les choses ont évolué. D'accord. Et j'espère que ça évoluera en bien, parce que vous avez sûrement entendu qu'on était un peu nostalgique de l'époque où c'était mieux. Voilà, on fait un peu nos vieux cons en mode c'était mieux avant, mais le fait est que c'était mieux avant. Alors, toi t'es un jeune vieux. Moi, je suis un vieux, gros vieux con, moi. C'est différent. Voilà. Bon alors Raphaël, dis-moi comment on peut te rejoindre sur internet. Alors sur Facebook, où vous pouvez me laisser des messages à Raphaël Gonneau, je crois tout simplement.
ou sur mon adresse mail à raphaël71@meetingbox.net. Voilà, puis n'hésitez pas sur mon Facebook, mais c'est des messages, je vous réponds avec grand plaisir. Voilà, et puis bah, moi mon Facebook bah, c'est Sébastien Calano, et vous pouvez me retrouver au quotidien sur Planète Star Wars où je poste des actualités, et sur mon compte Instagram, et mon pseudo c'est Stormy Seb. Donc voilà, bah, merci Raphaël d'avoir passé une petite heure en ma compagnie. Bah, c'est réciproque. J'ai remercié une dernière fois nos partenaires qui sont siteclamp.net, mightinbox.net, planetstarwars.com, Star Wars Universe, Star Wars Holonet, makingstarwarsfrance.com et Génération Star Wars et Science Fiction, où nous serons pour la 20e édition le samedi juste après la conférence Planète Star Wars. Donc comme ça vous pouvez faire les deux, vous faites la conférence Planète Star Wars et après on enchaîne directement avec Star Wars en direct. Comme ça, vous êtes 2 heures avec nous. Et on vous dit à très bientôt. Et que la force soit avec vous. Que la force soit avec vous.